Un pôle d'excellence régionale ferroviaire réunissant tous les acteurs de la filière devrait voir le jour d'ici à la fin de l'année dans notre région. Le textile et l'automobile en ont déjà un. Avec près de 10 000 emplois, deux constructeurs majeurs, Alstom et Bombardier, et un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros, le Nord-Pas-de-Calais est la troisième région ferroviaire mondiale. Selon Daniel Percheron, le président du conseil régional, notre région est la seule où l'on peut concevoir, construire et aménager un train de A à Z. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter, Daniel Percheron. Il revient pour nous sur la création de ce pôle d'excellence ferroviaire. Nous allons créer un centre d'essai ferroviaire à Aulnois-Bachan, qui est unique en France et en Europe pour l'instant. Bref, nous avons tous les atouts. Il faut désormais les coordonner, il faut les rassembler et il faut que les milliers d'emplois dans les PME, dans la centaine de PME qui travaillent aussi pour le ferroviaire, trouvent leur place et leur totale efficacité.